Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Jeudi 45, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide grenier de la journée. Donc une petite rencontre, Alex Gaming, bon bah je l'ai vu sur cette brocante, ouais, parce que je suis de plus en plus de brocantes sur la région parisienne. Du fait bah il y en a très peu dans la région centre et dans tous les cas c'est toujours les mêmes, du coup les mêmes stands et tout ça. Je pense que cette année, il n'y aura rien de nouveau par rapport à l'année dernière. Donc, je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Je pense que... Je sais pas, on verra bien. Bref, demi-tour. Donc, voilà mes petites trouvailles du jour. Donc, on va commencer par le premier lot. Donc, il s'agit de ces... tac. De ces 4 jeux, plus les 3 jeux Xbox Game Boy. Pour la somme de 25€, donc le Zombie U que je n'avais pas, il est complet, ouais, au moins il a son CD. Le San Andreas sur Xbox, je crois qu'il est son office. Ouais, je vais quand même regarder son état. Ouh. Je pense à mon avis savoir pourquoi il a été pas pris. Je pense à mon avis de l'HHS, donc un peu déçu. Un Music Party, le Rock the House. Qui est complet. Ça, la boîte de Time Splitter 2, à l'intérieur c'est un Worms 3D, donc ça il me l'avait dit auparavant. Et 3 jeux Game Boy, donc 2 Color, donc le F1 World Grand Prix et le Lego 2. Attends, c'est quoi le titre? Je vois rien du tout de là. Bref, voilà, et un Astérix. Et on poursuit jusqu'à tomber sur ces deux consoles, hein, la Wii U et la GameCube. Une GameCube noire sans câble avec une manette pour 25€, négociée de base à 30€. Et une Wii U de couleur blanche avec son gamepad. Mais le gamepad, je pense m'en débarrasser parce que elle n'est pas dans un super bêta, je peux vous le montrer. Je l'ai eu à 15€ avec son gamepad. Voilà, donc ça c'est très très cool. Et on va passer un petit lot NES, excusez-moi. Alors, on était tombé sur un stand où il avait énormément de jeunesse. Et c'était 10€ le jeu. Sauf qu'il y en avait trop. Et j'avais 55€ après dépenses du reste. Donc j'ai réussi à en avoir 6 pour 55€. Voilà, je ne savais pas quoi prendre puisque je ne connaissais pas trop cette console. Vu que moi je suis né avec la DS, la Wii, voilà, on m'a conseillé quelques jeux, voilà, j'ai pris d'autres jeux par rapport au prix d'internet, notamment le Galaza que j'ai vu qu'ils vendaient 30€, là je l'ai à 10, donc ça me fait une économie de 20 balles. The Battle of Olympic, Track et Field, Opération Wolf, celui-là je crois qu'il m'a été conseillé, le... Section Z, et celui-là pareil m'a été conseillé, jeu d'hockey sur glace, le Blade de Steel. Alors il y en avait plein d'autres qui m'intéressaient, comme le Dr Mario qui était là-bas, mais j'ai su que le truc il était cassé. À l'intérieur il y avait 3 jeux qui étaient pétés, donc je pense qu'ils vont jamais être vendus. Mais il y avait d'autres jeux, plein de jeux NES qui auraient pu m'intéresser, mais pas le budget suffisant du coup. Après. Dépense de tout, mes sous. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.